Mon frère, bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes à quel niveau ici? Nous sommes dans l'enceinte de l'école catholique Abbé Bonjour. Voilà, vous êtes là pour faire enrouler. Dites-nous comment est-ce que l'opération se déroule? Ouais, depuis hier que ça a commencé, il y avait des machines qui ne fonctionnaient pas. Et hier, vous avez pu constater aujourd'hui ce qu'ils ont affiché, c'est-à-dire le rendement d'hier. Dans une salle, ça a donné que 23, et dans une autre, c'est 20. Alors pour toute la journée, on a prévu 3 jours pour faire cela. 43 au total pour nous jouer, fois 3. Et ça, est-ce que ça peut nous avantager pour ces élections locales? Il n'y a que ce centre d'enroulement ici à Vepozo? À Vepozo. Or, par le passé, nous avons 3 sites. Il y a ce site, en plus, l'école évangélique d'Avé Pouzou et l'EPP d'Avé Pouzou. Maintenant, ces deux autres sites n'ont pas de machines et tout s'est installé ici. On a tout installé ici. Maintenant, qu'est-ce que vous avez constaté? C'est la machine qui ne fonctionne pas ou bien c'est les opérateurs du saisie qui n'arrivent pas à bien faire le boulot? Bon, à vue d'œil, quand vous êtes là, tantôt on nous dit que c'est la machine qui s'est arrêtée. Donc, qu'est-ce que l'opérateur peut faire? Et après, on appelle quelqu'un qui vient, il manipule un peu et ça prend. Hier, j'ai passé au moins 2h53 minutes. Actuellement, vous avez votre carte d'électeur? Si. Mais là, quelles sont vos attentes? Ça n'a pas été ce qu'on a pensé. Par le passé, ce n'est pas la première fois qu'on se fait recenser par ces machines-là. Pour la toute première fois, ça a marché. Mais pour aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Et pourquoi ça ne va pas marcher? Pourquoi? Vous pensez qu'il y a eu des tensions derrière? Mais bien sûr. C'est comme ce sont des machines truquées. Pourquoi on nous envahit avec des machines truquées? Voilà. C'est parce que ce sont des élections locales qu'on n'a pas voulu faire et qu'on est contraint maintenant, on est obligé à faire. C'est pourquoi? Ce sont nos questions, ça. Est-ce que vous me comprenez? Vous êtes inquiet alors? Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce que vous avez à dire peut-être aux autorités? Qu'on prolonge un peu. Les 3 jours sont insuffisants. Il faut prolonger, voire 2 semaines. S'il faut même prolonger la date des élections, même, moi je suis prêt. Je suis d'accord à ce qu'on prolonge un peu. Vous voyez, non? Mais 3 jours là, les 3 jours ne sont pas suffisants. Voilà, tout ce monde qui attend là. Ça, ce n'est rien. Il y a des gens qui sont à la maison. Nous sommes au vendredi. Si vous aurez le courage de venir demain encore pour constater les gens, vous allez sentir que réellement que ça ne marche pas. On peut pas. Hier, 43. Pour tout le centre. Pour tout le centre. Je dirais pour tout à Vepozo. Voilà. 43 personnes en 43 roulée. 43 personnes pour tout à Vepozo. Si vous connaissez bien les limites d'Abbé Pouzo, voilà, il n'y a que 43 recensés hier. Est-ce que vous nous comprenez? Voilà. Ça suscite des interrogations alors? Mais bien sûr. Ok, merci beaucoup à vous. Merci, je vous remercie aussi. Merci.